everyone. Good morning, everybody. Very, very, very happy, very great to be with you for our second English, French, and Creole course. Salut tout le monde! Je suis très, très, très content d'être avec vous pour notre deuxième cours d'anglais, de français et de créole. I am sure you are going to leave a great moment with your friend Paul Divers. Je suis sûr que vous allez vivre un grand moment avec votre ami Paul Divers. Moi saluer tout le monde. Moi content en pile parce que moi avec nous pour deuxième cours anglais, français à créole nous. Et moi sûr et moi quoi que nous pourrons vivre un grand moment avec Zami nous Paul Divers. Now we are going to have a presentation in English. We have what is your name? In English, we have what is your name? In French, to say what is your name, we have two ways to translate what is your name into French. Nous avons deux façons pour traduire what is your name en français. La première façon qui est le tutoiement, la forme informelle, on dit comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? What is your name? The second way, la deuxième façon, comment vous appelez-vous? The second way, la deuxième façon, comment vous appelez-vous? Moi, je dis, pour nous demander moun qui j'en lirele, ou dit en anglais, what is your name? What is your name? Mais, pour dire ça en français, ou dit comment t'appelles-tu? Première façon. Deuxième façon, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? And to say, what is your name? In Creole? What is your name? In Creole, you say qui j'en ou relé. Qui j'en ou relé. Let me write it for you. Qui j'en ou relé. Qui j'en ou relé. In English, what is your name? In French, comment t'appelles-tu? You can say, comment vous appelez-vous? In Creole, qui j'en ou relé? Qui j'en ou relé? But in French, we can say, quel est ton nom? If I want to say, what is your name? I can say, in French, comment t'appelles-tu? The informal form, comment vous appelez-vous? The formal form, we can say to, quel est ton nom? Quel est ton nom?
We can say again. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? In Creole, even though I say, comment t'appelles-tu? Even though I say, comment vous appelez-vous? Even though I say, quel est ton nom? Even though I say, quel est votre nom? In Creole, you just say, qui Jean aurait-le? Qui Jean aurait-le? Qui Jean aurait-le? English, what is your name? English, what is your name? French, comment t'appelles-tu? French, comment t'appelles-tu? French again, you can say, comment vous appelez-vous? French again, you can say, quel est ton nom? French again, you can say, quel est votre nom? Nous avons en français, comment t'appelles-tu? Nous avons en français, comment vous appelez-vous? Nous avons en français, quel est ton nom? Nous avons en français, quel est votre nom? Mais nous avons en créole, qui Jean aurait-le? Quand vous parlez créole, vous dites, qui Jean aurait-le? Qui Jean aurait-le? Now, if I tell you what is your name, you have to answer. You have to answer. You are going to say, my name is Paul. My name is Paul. My name is Paul in English. Mon nom est Paul. Or you can say, je m'appelle Paul. Okay? When you speak French, when you want to say in French, my name is Paul. My name is Paul in English. My name is Paul. In French, je m'appelle Paul. When you have in English, my name is Paul. When you want to translate into French, my name is Paul. In French, you say, je m'appelle Paul. If you don't want to say, je m'appelle Paul, you can say, mon nom est Paul. Je m'appelle Paul in French, or you can say, mon nom est Paul. But if you speak Creole, you want to say, my name is Paul. You want to say, je m'appelle Paul. In Creole, you have, moi, relé, Paul. Moi, relé, Paul. Je, moi. Moi. Je. My name. My name is moi relé. My name is moi relé. My name is Paul moi relé Paul. Je m'appelle. My name is je m'appelle. My name is in English. In French, je m'appelle. In Creole, moi relé. My name is Paul. Je m'appelle Paul. Moi relé. Paul. If you want to conjugate the verb s'appeler in English, when you say my name is, your name is, and so on, in Creole you say moi relé. Moi relé. In English, my name is. In French, je m'appelle. Or you can say, mon nom est. Ou relé. Your name is.
ou relay. Your name is. Ou relay pied. Your name is Peter. Your name is Peter. Vous vous appelez Pierre. Vous vous appelez Pierre. My name is Peter. Je m'appelle Pierre. Moi relé Pierre. Your name is Paul. Votre nom est Paul. Vous vous appelez Paul. In Creole, ou relé Paul. Li relé. Il s'appelle. Elle s'appelle. In English, his name is. Her name is. Li is male. Li is female. Li est masculin. Li est féminin. Masculin singulier. Féminin singulier. Li. Il s'appelle Lirele. Elle s'appelle Lirele. Lirele Paul. Il s'appelle Paul. Lirele Paul. Il s'appelle Paul. His name is Paul. His name is Paul. Lirele Marie. Lirele Marie. Elle s'appelle Marie. Her name is Mary. Lirele Marie. In English, her name is Mary. In French, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Nous nous appelons nous relé. Our name, vous vous appelez, your name, ou relé, your relé, Pierre et Paul, your relé, Pierre et Paul, their names are Peter and Paul. Yo relé Pierre et Marie. Yo relé Pierre et Marie. Ils s'appellent Pierre et Marie. Je dis ils s'appellent Pierre et Marie. Yo relé Pierre et Marie. Their names are Peter and Mary. We continue. Continue. Now continue. To ask somebody's name, we can use another form. We can use another form. Pour demander à quelqu'un son nom, on peut utiliser une autre forme. On est capable de demander moun qui j'en relé. Nous sommes capables d'utiliser une autre forme. For example, we have who are you? This is the verb to be. Who are you? I have just said. What is your name? If I don't want to say what is your name, I can say who are you? Who are you? Je viens de dire comment vous appelez-vous? Comment t'appelles-tu? Si je ne veux pas dire comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Je peux utiliser cette forme. Je peux dire qui es-tu? Le tutoiement
Qui êtes-vous? Le vouvoiement. Mais en anglais, on a qu'une forme. In English, we have this form. Who are you? Who are you? In French, we can say qui es-tu? If you are. If, I don't know. When I talk to someone, I can say in French, qui es-tu? I don't know you, but I want to know your name. I want to know your name, I don't know you, but I can tell you who are you in English, but in French, qui es-tu? If I don't say qui es-tu, I can say qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Or qui êtes-vous in English? Who are you? The same when I say, what is your name? What is your name? Who are you? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? But in Creole, when I want to say, who are you? In Creole, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Sometimes people say, qui, moon, ou, ye. It's not a problem. If I say, qui est-ce? In Creole, I can say too, qui moon, ou ye. Si je dis en créole, qui est-ce? Pour traduire, qui es-tu ou qui êtes-vous? Je peux dire aussi en créole, qui moun ou yé. Qui est-ce ou yé ou qui moun ou yé? In French, qui es-tu? Qui êtes-vous? In English, who are you? Je vais répondre. I'm going to answer. On va répondre. I'm Paul. When you tell me, who are you? And I answer, I'm Paul. Et quand tu me disais, qui es-tu? Tu me dis, qui es-tu? Je réponds, je suis Paul. On peut dire aussi, qui êtes-vous? Quand vous dites, qui êtes-vous? Je réponds, je suis Paul. Mais en créole, quand je dis, qui est-ce où y est? Qui est-ce où y est? Moi réponds, moi c'est Paul. The verb to be, le verbe être in Creole, verbe là c'est c'est. C'est moi c'est Paul. Lorsque gagne un nom qui placé après m'a traduit verbe là. Moi c'est Paul. Moi c'est Paul. Où c'est Jean? Où c'est Marie? Li c'est Anne. Li c'est Marie. Li c'est Pierre. Li c'est Paul. I am Paul. Je suis Paul. Moi c'est Paul. I think everybody understands. Everybody understands very well. Je pense que tout le monde comprend très bien. Je pense que tout le monde comprend très bien. Moi, je pense que tout le monde comprend bien. Let's get a conversation. In English, I tell you, good morning, sir. How are you? How are you doing? And you answer, I am doing well. I am doing good. I am fine. And you? What is your name? What is your name? My name is Paul. And you? My name is Peter. Or I can say, if I don't say, what is your name? I can say, who are you? Who are you? And I say, my name is Paul. And you? My name is Peter. In French, bonjour. Bonjour,
Comment allez-vous? Comment allez-vous? Répondez, vous répondez. Je vais bien. Je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Je vais bien aussi. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paul. Et vous? Et vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. En créole. Bonjour. Bonjour. Qui j'en ouillé? Qui j'en ouillé? Pour répondre, moins bien. Moins bien. Ici, moi dis, moi c'est Paul. Paul, c'est un nom. Moins bien. Bien, c'est un adjectif. Moi pas utiliser verbe là. Moi dis, moins bien. Et l'aime utiliser un nom. Moi utiliser verbe là. Moi c'est Paul. Moi c'est professeur. Moi c'est professeur. I'm a teacher. Je suis un professeur. Moi c'est professeur. Moi c'est Paul. Mais je ne peux pas dire moi c'est bien. Bien est adjectif. On dit moins bien. When I say I am good in English, I cannot say moi c'est bien in Creole. I say moins bien. But when I say I am Paul, je m'appelle Paul, je suis Paul in Creole, I have to use the verb. The verb is c'est in Creole. Moi c'est Paul. Où c'est Paul? Li c'est Paul. Li c'est Marie. Li c'est Marie. D'accord? It was all for today. See you soon for another course. It was all for today. See you soon for another course. C'était tout pour aujourd'hui. On se reverra. À bientôt. Pour un autre cours. C'était tout pour jeudi. Na rewe pour yon lot kou. Na rewe pour yon lot kou. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci en pile. Alright. Okay.